Le but, ce n'est pas forcément de vous faire des anthropologues, ça, on va toujours le répéter, mais ce qui est intéressant et qui peut vous aider, c'est vraiment de suivre avec attention ces concepts-là, parce que vous pouvez non seulement les rencontrer dans la littérature, donc ça va vous faciliter la compréhension, mais vous-même, vous pouvez les utiliser pour pouvoir analyser certaines situations. Dans les cadres de vos études ou quand vous êtes en face, par exemple, de certains acteurs qui sont en face de vous. Voilà. Ou même dans le cadre d'une observation, vous pouvez aller dans un centre de santé. Il suffit juste de vous arrêter et de comprendre un peu comment faire une cartographie, si vous voulez, du fonctionnement de ces structures de santé-là avec ces constats. Et pour encore caricaturer en termes sanitaire, c'est que les concepts sont c'est comme les lunettes de verre pour nous, quoi, parce que on dit très généralement que l'étranger ne voit que ce qu'on lui montre. Voilà. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire ces concepts, vous pouvez voir énormément de pratiques, énormément de faits, mais vous ne pouvez pas les lire parce que vous n'avez pas au départ été outillé en termes conceptuels pour pouvoir comprendre dans la réalité, dans le cadre de quoi il s'agit. Donc, ces concepts vous permettent, c'est comme un peu des verres qui vous permettent, ou des loupes qui vous permettront de lire certains comportements ou certaines attitudes, que ce soit des ou aussi des professionnels de santé dans les espaces mais au-delà même dans les espaces où la présence des usagers et aussi des gens qui sont en train de délivrer des services quoi, à ces usagers. Voilà. Par rapport à ce truc-là, je disais qu'en tant qu'anthropologue, finalement, les travaux en anthropologie de la santé ne datent pas de très longtemps. Les premiers travaux, c'était en 1985, et finalement, il fallait attendre encore 10 ans après pour qu'en Afrique de l'Ouest, on ait commencé à investiguer les services de santé. Et que les premiers anthropologues que j'ai cités, qui sont notamment Jean-Luc Zafré au niveau de l'école de médecine de Bamako, mais qui après est allé à Ouagadougou, il est allé à point de vue institutionnel. Il y a aussi les travaux de Jean-Pierre Olivier de Stadane, qui était basé au Niger, qui dans le cadre a aussi investigué le domaine de la santé. Et dans ce que nous sommes en train de faire en termes d'opérationnalisation de ces... Au départ, les travaux de Jean-Pierre Olivier de Saran avaient débuté par la recherche des normes en Afrique. Et les normes, il a essayé de les diviser en deux. Il y a ce qu'on appelle les normes pratiques et les normes officielles. Et comprenez par normes officielles les normes qui régissent. C'est-à-dire que là, le fonctionnement ou encore les normes qui sont prescrites, que ce soit en termes de description de poste ou encore en termes de comportement d'un usager ou encore en termes de règlement du processus quoi, dans une structure très bien déterminée. Donc les normes officielles, ce sont les normes qui sont codifiées et qui régissent le comportement des usagers ou encore des prestataires de services dans un espace géographique très bien déterminé. C'est ça les normes officielles. Maintenant, les normes pratiques, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut avoir. C'est tout ce qu'on peut avoir comme comportement, mais qui ne sont pas, qui n'est pas, qui n'est vraiment pas codifié, quoi. Voilà. Mais qui permet certainement d'obtenir ce qu'on veut. Ça peut être des contournements de ces normes. Ces normes qui sont là, ça peut être aussi des trucs d'influence à cause de son statut ou encore à cause de dans les cas on appelle politiquement. Parce que nous sommes des partis politiques
Moi, j'ai essayé, par exemple, moi, j'ai mon cousin qui a été arrêté, par exemple, par un agent des eaux et forêts qui va m'appeler, qui, bon, je vais essayer également d'avoir peut-être de mon parcours aussi, celui-là. Voilà. Donc, il a essayé le nord. Maintenant, une fois, ce qui intéresse l'anthropologie, elles sont déjà codifiées, elles sont encore dans les couches, dans les mains. C'est ça, parce que déjà, c'est codifié. Ce qui est important, ce qui est comment une structure de santé est autrement non officielle. C'est ce qui intéresse un peu. C'est ce que nous avons fait. Et on avait parlé hier de deux concepts clés, dont le premier était le patrimonialisme. J'ai dit que dans certains services, pas seulement dans les services de santé, mais globalement dans la plupart des services, certains responsables n'ont pas la distinction entre leurs biens et de tout ce qui est réglementaire. On le sait, les services de les véhicules, les services de santé, des services souvent utilisés par les On peut accompagner les cousins dans les villages, on peut du bois de chauffe avec ça, on peut aller chercher du charbon avec. Madame peut les utiliser quatre véhicules pour un mariage avec les. Donc, ça, c'est le truc de patrimoine. C'est des nouveaux patrimoines, mais effectivement, en termes de relevant des néo-patrons qui sont nommés dans des postes, mais qui sont nommés, ils font fi carrément du fonctionnement du service, mais ils utilisent comme leur bien, ça peut dépendre d'un bâtiment administratif ou bien le téléphone dont le chef va utiliser et puis il va appeler les gens qui vont l'utiliser, mais les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ils n'ont pas accès à certains privilèges. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et les gens qui sont en connivence avec lui, il n'y a pas de problème, mais tous les gens qui ne sont pas d'accord, voilà, ils ne les savent pas parce qu'ils n'ont pas accès à ces prérogatives. Et le clientélisme, c'est pareil. Le clientélisme, c'est tout ce qui et en termes qui n'est pas en rapport avec les qui sont recrutés, c'est la base du népotisme, c'est la base des relations, c'est la base, par exemple, des faveurs entre, voilà, ça peut être entre hommes ou femmes, encore, ça peut être, vous allez me donner ce marché-là, 10% ou 50%, rien à voir avec. Donc, c'est un peu le clientélisme qui sont également des pratiques très, très, très avérées dans notre pays. Et pour sur un article de Jean-Pierre Olivier de Savane, je vous avais parlé de la santé, ça n'a rien à voir. Mais quand on a essayé de faire des recrutements, on a des professions qui ont quand même beaucoup de dissemblances, quoi, même s'il y a des ressemblances. Et nous, ce qui nous intéresse dans ces trucs, c'est vraiment l'attitude, le comportement des agents, que ce soit douaniers ou encore que ce soit une sage-femme. Et dans ces cadres-là, hier, on a vu un peu, c'est vrai, même si on avait beaucoup discuté, il fallait souvent relativiser les cas. Mais toujours est-il que, y avait vraiment des violences dans nos structures de santé et que ces violences sont souvent non seulement dues à la formation, par exemple, de nos agents de santé, mais aussi dues souvent au caractère des usagers hier, parce qu'en écoutant certaines interventions,
je me suis rendu compte que certainement il y en a qui n'ont jamais été en contact avec les structures de santé, surtout les privés. Du coup, quand ils viennent, ce n'est pas du tout évident d'instaurer un dialogue avec eux. C'est des gens, vous imaginez, ça c'est un autre débat, mais le rapport au corps, ce n'est pas très simple, quoi. Le corps, il est très sacré. Et malheureusement, là, donc, comment faire comprendre à ces usagers que, en fait, c'est que le médecin, il travaille avec votre corps, il ne travaille pas votre corps dans le cadre de l'érotisme ou dans le cadre d'une relation. Oui, homme-femme, quoi. C'est ce qui n'est pas souvent facile pour ces séances-là. C'est-à-dire que, voilà, il ne peut pas comprendre que le médecin doit travailler avec les corps. Et ça pose énormément de problèmes. Parce que même quand on va pour faire les études au niveau communautaire, vous allez vous rendre compte que la pratique médicale traditionnelle est toujours, il y a toujours une distance entre le traitant et plus encore la personne qui est malade. C'est-à-dire que souvent, c'est des incantations ou souvent, c'est des produits qu'on donne que vous allez utiliser, mais rarement, la personne va accéder jusqu'à la partie, vous voyez un peu, la plaie intime, comme le fait le gynécologue ou encore la sage-femme, quoi, ou les maïticiens, même si ça n'existe pas. Donc, c'est tout le problème que j'ai compris qu'effectivement, il y avait tous ces trucs-là. Mais aussi, en termes de disposition technique, peut-être que la charge du travail également est beaucoup plus énorme que ce qui peut être normalement fait. Par exemple, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, moi, j'étais dans la région de Mopti. Quand on fait les ratios de la population par rapport aux agents de santé, c'est qu'on se retrouve avec trois agents de santé pour 10 000 habitants, alors que la norme, c'est 23. Vous voyez un peu l'écart. Comment trois personnes peuvent faire le travail de 23 personnes? C'est énorme, quoi. Et quand on en ajoute à cela maintenant, la qualité des agents qui sont sur le terrain, c'est encore terrible. Parce que parmi ces trois qui sont présents, vous allez vous rendre compte qu'actuellement, quand vous rentrez un peu à l'intérieur des structures de santé, dans le meilleur des cas, vous avez un infirmier. Sinon, ce sont les aides-soignants qui tiennent tout un CESCOM, quoi. Et là, en termes de qualité, vous imaginez un peu, quoi. Alors que normalement, on devrait avoir au moins un médecin dans chaque session, dans la politique normale, pour relever un peu la qualité des soins au Mali. Ouais. Donc, quand on met tous ces facteurs ensemble, vous imaginez que souvent, ce n'est pas très simple, quoi. Voilà. Et moi, je vous avais parlé du sujet sur lequel j'avais envie de travailler actuellement. C'est surtout cette dimension-là de la souffrance des professionnels de santé, quoi. C'est-à-dire que comment cette souffrance peut souvent, entre guillemets, je ne sais pas encore pour le moment confirmé, mais peut-être que certaines attitudes des professionnels de santé qui sont considérées comme des attitudes assez inhospitalières pourraient, par exemple, s'expliquer par le fait qu'ils n'ont pas souvent souffrir, quoi. Parce que quand vous souffrez trop d'une situation antérieure, vous allez tout faire pour vous protéger. Et votre protection, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de ne pas entrer trop en contact avec les malades. Quoi. C'est-à-dire que quand le malade vient, ben, vous les traitez avec les moyens dont vous disposez. Vous n'allez pas trop chercher ou décracasser, parce que dans tous les cas, souvent, vous n'allez pas pouvoir le faire, parce que, comme on le dit, après une ordonnance, des ordonnances, les parents, presque, ils n'ont pas d'argent. Et si vous allez essayer de vous investir, c'est que vous n'allez pas, vous allez être peut-être chercher quand vous êtes en location. Vous allez mettre tout votre salaire à soutenir les gens. Vos enfants ne vont jamais aller à l'école parce que vous ne pourrez pas payer à la fin du mois l'école. Donc, à un moment, vous allez choisir, bon, voilà, faites ce que vous pouvez, mais en fait, c'est que voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai mon compétence quand vous venez, j'essaie de faire ce que je peux et je ne veux plus souffrir. Donc, quelque part, peut-être qu'aujourd'hui, certaines situations qui sont interprétées par nous, les anthropologues, mais aussi par certaines évaluations de la santé publique qui vont dans le sens de l'inhospitalité des professionnels de santé ou encore de la négligence de certains professionnels de santé peuvent être souvent dues à un système de protection qu'eux-mêmes ont développé. Voilà,
un moment, tellement qu'ils ont souffert, qu'ils décident de ne plus souffrir. Et c'est un système de protection. Ça peut être lié à ça. Donc, ces comportements des sages-femmes qui sont souvent traités comme violence sont également interprétés. On a eu beaucoup d'exemples qui ont souvent permis de faire un déclic quoi, avec l'usager. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, quand la dame avait lui savoir que l'enfant était décédé, et tout de suite, voilà, elle a relâché et qu'après, elle aurait repris. Quoi. Ou bien le fait qu'une femme, lors d'un accouchement, essaie de fermer les cuisses et qu'après un coup de main sur la cuisse, faire que souvent, voilà, l'enfant peut être sauvé. Voilà. Donc, au-delà peut-être que de ces caractères apparent qui est quand même violent qu'on ne peut pas nier, mais derrière c'est que cette attitude violente, c'est qu'il n'y a pas une attitude négative derrière quoi. C'est comme si on parlait de en parlant de genre, on parlait d'une, comment on appelle ça encore, une ségrégation positive quoi. Voilà, c'est à dire que c'est une attitude qui est apparemment négative, mais l'intention, c'est vraiment pour pouvoir faire du bien. Donc, c'est comme si quelqu'un qui brise un enfant. Oui, voilà, c'est ça. Mais il ne le frappe pas parce qu'il ne l'aime pas. Tout à fait. Mais il le frappe par rapport à l'acte. À l'acte qu'il a posé, merci. Qui aime bien, châtie bien, quoi. En quelque sorte, c'est un peu ça. Voilà. Donc, mais maintenant, ce qu'il faut, il faut pas oublier, c'est que une fois de plus, et d'ailleurs, ça, c'est un aspect qui est très récurrent que moi-même, j'ai remarqué, c'est qu'on est, nos agents de santé, malheureusement, c'est ça, il faut le dire, c'est qu'ils sont dans une sorte de routinisation. Quoi. C'est-à-dire que quand on voit une pratique ou quand on voit un phénomène chez une personne, deux personnes, trois personnes, quand ça commence à être général avec 10 personnes, très normal, les gens, une fois que la chose se présente, on pense que c'est ça, quoi. Alors que souvent, ça peut ne pas être ça. Donc, il ne faut jamais tomber dans la routine. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez chaque femme comme un cas. C'est que toutes les femmes peuvent ne pas être... C'est que celles qui sont en train... qui ne coopèrent pas, souvent, ce n'est pas forcément avec ces genres de violences qu'on peut les résoudre. Essayons, pour chaque cas, il faut vraiment essayer d'utiliser une recette spécifique. Chaque cas est un cas. Chaque femme est un cas. Ça, c'est très important. Et malheureusement, quand même les prescriptions, quand vous allez faire des observations au niveau des structures de santé, c'est vrai que quelque part, il y a aussi un peu, c'est vendre des médicaments, les jeunes qui sont, comment on les appelle encore, les délégués médicaux, qui viennent, qui font la promotion des trucs, mais une fois qu'un médicament commence à être prescrit dans un service, vous allez vous rendre compte que c'est systématique. Moi, j'ai vu avec les cetriazones concernant par exemple les antibiotiques. On avait un enfant qui est resté 10 jours dans le coma, qui avait une méningite. Et puis un jour, il a piqué une crise qui était vraiment très grave. Et par hasard, le CS qui a suivi les dossiers, mais il était étonné que durant 10 jours, on est en train d'administrer les mêmes traitements, que personne n'a pensé à changer le traitement. Et mieux que ça, c'est que on a fait un antibiogramme, c'est-à-dire que les examens avaient montré que c'était une méningite, c'est quoi, c'est des germes ou quoi, je ne sais pas, étaient sensibles, c'est-à-dire qu'à un type de médicament qui était très précis. Et le médecin traitant n'a même pas considéré l'antibiogramme. Il a continué à écrire ses phrases tous les jours, 10 jours, et puis il est dans le coma. Et cette crise qu'il avait piquée, c'était une crise presque, voilà, convulsive, carrément à la mort, parce qu'il avait commencé à baver, noir, tout ça. Donc, ils ont calmé le truc, et tout de suite, ils ont changé le traitement, et le deuxième jour, il s'est réveillé.
Vous imaginez quoi? C'est-à-dire que ça, c'est, tout ça, c'est pour vous dire un truc. Dans combien de fois la routine peut nous, là où ça peut nous amener quoi, et les conséquences que cela peut avoir si nous le traitons. Maintenant, après, bon, moi, je suivais l'enfant, c'est-à-dire que j'étais en train de documenter un peu son parcours. Après, j'ai demandé le médecin qui traitait, il m'a dit non, non, voilà, lui, c'était le plateau et dans des gens de malades, c'est ce qu'il prescrivait. Maintenant, je lui ai dit, mais pourquoi il n'a pas regardé l'antibiogramme, il m'a dit qu'il n'avait pas vu dans le dossier. Alors, professeur? Je vais compléter et vous allez revenir, Hervé. Mieux que ça. Et puis maintenant, le traitement, l'enfant a commencé à se réveiller. À un moment, il a commencé, il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il ne parlait pas. Donc après, il n'y avait personne dans le cadre de un malade à parler. C'est des spécialistes qui n'existaient pas. Donc chacun a essayé de faire de son mieux. Mais le troisième jour, le jour où moi je suis, parce que j'ai pris une garde et le lendemain j'étais rentré, mais ce jour, le jour où je suis rentré, toute la journée, l'enfant n'a pas reçu de traitement. Dans un hôpital, vous voyez, chez Assis Gabriel Touré. Le lendemain, je reviens, je vois le dossier, l'enfant n'a pas eu de traitement. Alors, après, je demande, ils m'ont dit que voilà, ils ont cherché, ils n'ont pas eu le médicament. J'ai dit, mais mon nom est écrit dans son dossier. Il y a le nom du policier également, parce que quand moi je ne suis pas là, il y a un policier qui est dessus, c'était un enfant sans parents, quoi. Il était burkinabé. J'ai dit, mais il y a aussi l'adresse du policier. Mais il est resté 24, en fait, 12 heures sans traitement. Parce qu'ils n'ont pas vu de médicaments. Ils n'ont pas, voilà, ils ont prescrit l'ordonnance et puis personne ne s'est en occupé, quoi. Quand bien qu'on avait nos dossiers là-dessus. Et finalement, dans ce dossier, c'est que moi, j'ai carrément écrit un article là-dessus, mais ce qui est le plus important dans ce truc, c'est de montrer un peu comment, quand on suit les enfants, on peut sauver la vie, quoi. Parce que cet enfant, c'est vrai, c'est Dieu qui sauve, mais si jamais j'étais pas là, imaginez-vous comment ça allait être comment, quoi, sa vie. Parce que tant qu'il n'y a pas un suivi rapproché, même si on est à l'hôpital, ce n'est pas évident quoi, de pouvoir s'en sortir. C'est très important. Hervé, oui, tu peux intervenir. Oui, bon, professeur, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est peut-être que mon intervention n'est pas très bien applicable sur l'enfant dont vous parlez. Okay. Par rapport au traitement, parfois, effectivement, les agents ont manqué beaucoup de vigilance, surtout si l'antibiogramme était là. Mais force est de dire aussi, il y a certaines personnes qui ne répondent pas à des traitements parce que peut-être ils ont dû user beaucoup de cette molécule. Ça arrive aussi. Voilà. Ça peut arriver, on en a vu des cas, vraiment des gens qui sont dans les comas et toutes les molécules qu'on essayait de mettre ne répondaient pas, la fièvre qui montait. Mais après, quand on a fait un peu les enquêtes, ils avaient abusé eux-mêmes dans l'automédication des antibiotiques. Et ça crée énormément de problèmes parfois et met vraiment les praticiens en difficulté. Bon, surtout ceux qui ne sont pas trop vigilants, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. En fait, je suis parfaite parce que là, c'est un enfant que moi, je suivais. Hein. C'était, d'ailleurs, on avait même refusé de l'admettre aux urgences quand j'étais. Même pour l'admettre, ça veut dire que c'est vraiment un cas. Je ne sais pas si je peux vous partager un extrait du parcours de cet enfant pour ceux qui seront curieux. C'est un enfant que moi-même, parce que quand je faisais mes enquêtes, on m'avait pris comme un agent de service social, quoi, parce que je recrutais les enfants au niveau du bureau des entrées et puis je les suivais jusqu'à leur sortie. Donc, il y avait des gens qui m'avaient remarqué, ils pensaient que j'étais un agent du service social. Et c'est comme ça que cet enfant était abandonné à la porte. Il était dans un coma, mais en fait, il ne pouvait pas parler, mais il était dans un coma 2 ou bien un truc comme ça. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert et je l'ai aidé à l'admettre en pédiatrie. D'abord, j'ai commencé par le service des urgences. Ils m'ont fait savoir que cet enfant, il était encore, c'était un petit, quoi. Il fallait l'amener en pédiatrie. En pédiatrie, c'était pareil. Ils m'ont dit non, ça, c'était un grand garçon. Et du coup, ça posait un peu, ouais,
en tant que chercheur, moi, ça m'a posé un peu le problème du statut d'admission des soins pour les adolescents, quoi, parce qu'il avait 15 ans, et donc ils se sont un peu basés sur les caractéristiques physiques, surtout il avait des poils au niveau des sexes, donc ils ont dit non, celui-là, il n'est pas un enfant. Alors qu'après, quand il a dit son enfant, 15 ans, c'est l'âge limite quoi, pour être reçu au niveau du service de pédiatrie. Donc, du coup, ça posait énormément de problèmes pour l'accès, c'est-à-dire des soins pour les adolescents. Voilà, surtout parce que l'enfant, c'est 0-18 ans, mais dans les services de pédiatrie, c'est 0 à 1 jour à 15 ans, quoi, au-delà. Voilà. Donc, lui, il avait 15 ans, il était là-dedans. Mais au départ, chacun avait essayé de se... Mais en fait, ce qui est dans son cas, c'est qu'il y avait l'actuel programme, mais ils n'ont jamais changé, quoi. C'était toujours ça, cette classe. Ils n'ont pas essayé autre chose. Et puis, ça n'a jamais été discuté, quoi. Pourquoi est-ce qu'il fallait essayer d'autres molécules? Non, ça n'avait jamais été fait. Et quand le médecin a découvert que c'était comme ça, il était un peu sidéré, il était révolté. Il dit, mais comment ça pouvait se faire qu'on est en train d'administrer les mêmes traitements durant 10 jours, on ne s'est jamais posé la question, alors qu'il y avait aussi un antibiogramme. C'est ça un peu le problème. Voilà. C'est un peu... Mais quand j'ai fait la présentation à Dakar, mais il y a des gens qui ont dit, mais normalement, je devrais poser une plainte contre les médecins. Oui. Allô, docteur. Bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir, professeur. Oui. C'est-à-dire, en général, dans la plupart de nos services, oui, il n'y a pas un protocole dédié à la prise en charge de malades. OK. Imaginez quand on va se dire devant un enfant de 15 ans, que ce n'est pas un cas pédiatrique, il y a problème. Oui. 15 ans, ce n'est pas pédiatrique. Ou alors non. Maintenant, s'il y avait un protocole dédié à ce centre-là, oui, cet élément n'allait pas mettre ses traces pendant 10 jours sans savoir là où il va. Tout à fait. Et puis l'entrée. Ouais. L'enfant doit être suivi. Quand il arrive, on lui fait un dossier en due forme. Et tout ce que l'enfant a comme problème, c'est dans ce dossier. Et au fur et à mesure, le dossier doit évoluer. Ouais. Déjà, à 2 jours, il commence un problème. Jusqu'à 10 jours sous protocole antibiotique, ça n'évolue pas. Peut-être que celui qui est là, c'est un apprenant. Il ne sait pas là où il va. Cela veut dire que cet enfant, pendant 10 jours, aucun chef ne l'a vu. Pendant 10 jours, aucun chef ne l'a vu. Donc, celui qui était là, c'est chez lui, il a dit, c'est que c'est vraiment passé. C'est ce que nous connaissons comme antibiotique. Puis, à Gabriel, c'est comme ça. Mais... pour toute pathologie, on met cette raison et on bouge. C'est un peu ça. On ne cherche pas à comprendre. Peut-être que l'antibiotique a été donné à ce malade. C'est un cas social. Et là-bas aussi, c'est un problème. Personne ne s'occupe d'un cas social. Tout à fait. Un cas social, personne ne s'en occupe. Voilà, merci. C'est ça le gros problème à Gabriel Touré. Ouais. Un cas social, tu restes à ton sort. Et celui qui est là, à ses cheveux, quand il bouge, personne ne bouge. Merci, c'est ça. C'est finalement. Il m'a dit que c'est le malade Inde, c'est le malade ouais, de Dr. Guindo. S'il arrive, on gère. Ouais. Quand Dr. Okay. Guindo sort, on arrête la procédure. Et quand Dr. Guindo vient, ah, c'est un malade. Bon, on doit faire ça, on doit faire ça. Alors que le malade, c'est pour tout le monde. Tout à fait. C'est surtout ça. Donc, ouais, il y a un problème d'encadrement, un problème de suivi, et les malades sont laissés à un grand CHU comme Gabriel Touré, où tout le monde s'occupe de tout le monde. Personne ne fait quoi, tout le monde bouge dans le désordre. C'est un grand service, on a fait un passage d'avant, c'est comment ça se passe. Les cas sociaux, c'est pas pour quelqu'un. Merci. Les cas sociaux, c'est ouais, bon. Ah, le policier n'est plus... Bonsoir, le policier n'est pas là, on attend. Docteur Guino n'est pas là, on attend. Alors que c'est un enfant. C'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir du pays. Donc, c'est le problème qu'elle a dans, qu'elle a dans, ce problème, dans cette structure. Hein. C'est grave, c'est notre pays. Oui, il y a quelqu'un. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ok, moi, c'est Docteur Koulibaly Flano. Ok, Docteur Koulibaly. Ok, bon, je ne sais pas à quelle année ce problème a eu lieu. Sinon, depuis 2002... Ouais. Au Gabriel Touré, il y avait un protocole du ministère de la Santé mis en œuvre à travers le Centre pour le développement des vaccins. Mmh. Où tous les enfants qui sont admis au niveau de la pédiatrie du Gabriel Touré recevaient des hémocultures ou des analyses des liquides, des ELSER ou aussi à un épanchement. Tout à fait. Dès qu'il y avait des critères de suspicion d'infection invasive qui étaient là. Mmh. Mais en fait, ce que nous-mêmes, on a compris, étant des natifs de là-bas jusqu'à
de venir intégrer le service de la recherche là. Mm-hmm. Donc, en fait, on a compris que les gens aimaient aller lire des livres de la France, d'ailleurs, mm-hmm. que de s'occuper de nos propres résultats qui sont issus de nos propres malades qui viennent partout au Mali. Okay. Donc, c'est ça qui expliquait beaucoup de leurs problèmes. Mais ce que nous-mêmes, on a compris, il y a des modules qu'on appelle bonnes pratiques cliniques. Mm-hmm. Donc, je pense que ça serait intéressant que, pour qu'ils essaient d'intégrer ça dans les programmes d'enseignement dans nos facultés. Ouais. Okay. Parce que ça permet à le médecin ou l'agent de santé d'être plus sensible aux problèmes du malade et de ne pas essayer de trier en fonction du visage ou des moyens ou d'intéressement d'autres personnes. Ouais. C'est pour cela que les malades qui sont souvent enrôlés dans des études de recherche, les gens voient que l'équipe est plus engagée. Souvent, d'autres pensent que peut-être l'équipe est plus motivée, alors que souvent, ce n'est pas ça. Mais la formation de ces modules de bonnes pratiques cliniques qui est une exigence pour mener ces études-là pousse davantage l'agent de santé à s'impliquer de plus pour que la vie vraiment du patient soit primordiale par rapport à des intérêts de la science. Ouais. On a compris que c'est cette motivation qui manque beaucoup à nous, les praticiens. Ouais. OK, merci beaucoup. C'est ce commentaire que je voulais faire. Ouais. Merci beaucoup. On va arrêter rapidement. En fait, c'est que si cet enfant, il n'y a rien à faire. Je l'ai documenté. Et c'était un enfant burkinabé. Quand il a commencé à parler, on s'est rendu compte qu'il était burkinabé. Et finalement, j'ai démarché l'ambassade de Burkina et je suis allé le remettre à l'ambassadeur burkinabé qui devrait normalement chercher sa famille et pour le rapatrier au Burkina. En fait, c'est que cet enfant, quand il a été admis, comme je vous ai dit, il ne parlait pas. Et dans tout son dossier, c'était mon nom qui était écrit, Abla Guindo. Et le CVD dont vous parlez, en fait, comme il avait une fièvre, il a été admis là-bas, mais ils m'ont dit qu'il faut une responsabilité. Et c'est là que, d'ailleurs, mon nom a été donné, non seulement comme son tuteur, parce que j'ai accepté d'être son tuteur, mais même si son dossier, c'est mon nom qui a été mis. Quoi. Et l'antibiogramme a été fait effectivement par ce service. C'est pour dire que si on avait utilisé l'antibiogramme issu du CVD, ben, on n'allait pas, ça allait être très simple. Quoi. Donc, c'est un service qui était de grands emplois parce que les analyses ont été faites gratuitement. Je n'ai pas payé ça. Mais après, c'est eux aussi qui ont fait l'antibiogramme. Voilà. Le lendemain, on avait les résultats que c'était une méningite à pneumocoque. Et maintenant, le deuxième jour, ils ont donné l'antibiogramme que j'ai remis au médecin traitant. Voilà. Qui malheureusement, qui ne l'a pas appliqué. C'est le CVD qui a fait ça. Et merci bien. Voilà. Donc, en fait, comme je vous disais, donc si vous voulez travailler vraiment dans la recherche, et puis au niveau des structures de santé, faites attention à la routinisation, quoi, parce que c'est le plus grand danger. Quoi. Il faut ça s'assied beaucoup à la démarche anthropologique, parce que quand on suit un malade, nous on dit toutes les morts sont des morts, mais la façon de mourir ne sont pas les mêmes. Quoi. C'est pourquoi il faut essayer de décrire la façon dont s'est construit la mort de tout un chacun. Un enfant va rentrer, vous allez voir celui-là, peut-être que ses parents n'ont pas les moyens, peut-être qu'il avait besoin à telle heure précise, c'est-à-dire une intervention précise, malheureusement, soit les médicaments n'étaient pas là ou la machine était en panne, donc ils vont expliquer peut-être lui son décès. Par contre, un autre va venir, ça trouvait peut-être qu'il avait pris trop de temps à la maison et les médecins ne pouvaient malheureusement pas intervenir pour pouvoir sauver ces cas. Ou encore d'autres cas, comme on l'a vu également, les parents vont venir, l'enfant a besoin du sang, mais on ne connaît pas encore son groupe sanguin. Il va falloir prendre le sang, aller faire l'analyse. Voilà. Vous imaginez, et ça cause également énormément de problèmes en termes d'incompréhension avec les médecins et les parents d'enfants. Parce que pour les parents, ils amènent leurs enfants, normalement on doit les soigner, mais ils sont encore en train de faire des analyses, ils sont en train de courir par-ci, par-là. Et souvent, les médecins également ne les disent pas que bon, cet enfant, on doit le soigner, il doit être transmis. Malheureusement, comme on ne connaît pas son registre, on est obligé de prendre du sang pour pouvoir avoir ça. Donc, le fait souvent de ne pas communiquer avec les usagers font qu'il y a des incompréhensions et après, les gens disent, bon voilà, mon enfant est mort parce qu'il n'a pas reçu les soins, alors qu'il y avait un préalable à faire, quoi, que les parents devraient avoir, mais qui ne s'est pas fait. On doit même pouvoir faire énormément de travail en termes de communication pour que les gens aient au moins les résultats, parce que
au cas où il y a des accidents de ce genre, qu'on puisse au moins voilà, rapidement donner du sang à ces gens. Ça, c'est toutes les. On doit faire ce truc-là à toute la population. Voilà. Mais malheureusement, tout ce travail n'est pas fait. Et ça pose énormément de problèmes aux médecins. Donc, hier, on a un peu compris que ces violences qui sont souvent. Ces pratiques qui sont documentées comme des violences souvent peuvent se révéler, ne pas être appliquées de façon intentionnelle, quoi, parce que les gens le font dans le bon sens. Mais peut-être qu'il y avait un certain nombre de travail à faire, non seulement au niveau peut-être des professionnels de santé, mais aussi aux usagers pour que des situations comme ça n'interviennent pas. Malheureusement, les contextes dans lesquels nos médecins travaillent, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, on avait dit tout ça. Maintenant, les violences, les violences verbales et les violences de l'autre côté. Alors, pour ce qui concerne les douaniers, c'est presque la même chose. Par exemple, au Niger, une des pratiques, je ne sais pas si je vous ai dit, chez les sages-femmes, c'est surtout la fameuse Cinto. Là. Vous êtes sage-femme, non? Voilà, il paraît qu'elle prescrive ce produit-là à quelqu'un, il paraît que ça permet de la contraction de l'utérus pour accélérer un peu l'accouchement. Et du coup, on prescrit ça à toutes les femmes, mais elles peuvent utiliser le même produit sur 4 ou 5 femmes. Vous voyez un peu, c'est pour dire un peu comment elles captent les ressources quoi, des trucs-là. Peut-être que, hier, on n'avait pas malheureusement de sage-femme. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une sage-femme. Peut-être qu'elle nous dira un peu, si elle veut, bien sûr, comment c'est pas fait intervenir. C'est ça. Et les femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, on va les menacer de les envoyer ou de les menacer de ne pas bien les traiter. Donc, elles sont obligées de le faire. Les douaniers font la même chose. Les contrôles effectués par les routes hors des postes de douane par les brigades mobilité brigade. La brigade a pour mission non seulement de vérifier que les véhicules qu'elle intercepte ont des papiers de dédouanement en règle, établis au poste régulier, et donc ne contiennent pas de marchandises de contrebande non déclarées, mais aussi de vérifier que ces dédouanements sont normaux, autrement dit qu'il n'y a pas eu une sous-évaluation de complaisance par les douaniers postés à l'entrée sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez avec une marchandise carrément chargée dans un camion, le douanier que vous allez croiser, si réellement il n'est pas content, il veut vous soutirer de l'argent, il va dire, vous descendez et puis je vais décharger. Je vais vérifier. Bien sûr, il a le droit. Il a le droit. Mais quand vous avez besoin du temps, vous avez besoin du temps et c'est que vous savez que souvent en déchargeant il y a des marchandises même qui vont être détériorées, il va déchirer souvent certains cartons. Pour ne pas avoir à perdre du temps, vous êtes obligé de payer, parce que s'il a besoin de l'argent, il va se mettre dans cette truc-là. Si tout est normal, il va être bon, ok, d'accord, on descend, on décharge, je vais vérifier. Vous imaginez décharger un camion, le temps que ça va vous prendre de décharger encore. Donc c'est des gens, quand ils veulent de l'argent, il n'y a rien à faire, tu vas les payer. Quoi. C'est juste ça. Parce qu'ils vont user de tous leurs droits, mais qui souvent, même si après, tu es sûr qu'ils ne vont rien trouver, mais toi, tu as besoin du temps. Voilà. Et puis, tu as besoin aussi que tes marchandises arrivent vraiment dans des cartons très bien emballés. Quoi. Voilà. Parce que souvent, ils peuvent déchirer avec... avec un couteau, hein. Quand il se tombe, il peut déchirer ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voilà. Donc, tout ça fait que souvent, quand les douaniers ou les sages-femmes veulent, en tant qu'usager, tu es obligé, quoi. Tu es obligé de concéder. Il y a... Oui. Par rapport aux douaniers, là, pour étayer votre... votre allocution, j'ai assisté à une scène une fois quand je revenais de Dakar. Uh-huh. Alors, au niveau de la frontière ici, au niveau de Djibouti. Uh-huh. Donc, quand on est arrivé, on est tous descendus. Okay. Il fallait vérifier les marchandises. Mm-hmm. Moi, j'avais payé des petites bricoles
Okay. J'étais dans ma valise que j'avais mis dans un sachet. Okay. Et j'avais pris le soin de faire la liste que j'ai été déclaré. Et le douanier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est même pas parti regarder dans la valise qu'est-ce que c'est. Il a écrit un mot sur le papier que valise et accessoires. Et quelques minutes, on sort avec la liste. Uh-huh. Mon nom est en tête. En tête de liste. Uh-huh. On m'appelle et on me dit Hervé Damélé, 40 000 francs. Des petites bricoles que j'ai payées pour madame et puis les enfants qui valaient rien, ça valait même pas 30 000 francs, quoi. Uh-huh, tout à fait. Et sur le champ, j'étais en effervescence, quoi. Ah, j'imagine. Et le convoyeur m'a dit, non, il faut pas faire comme ça, ici, comme ça, ça se fait pas comme... J'ai dit, d'accord, si c'est comme ça que vous faites pour moi, ça ne se gère pas comme ça. OK. Je suis rentré automatiquement trouver les messieurs dans le bureau. J'ai dit, mais vous me taxez de 40 000 francs. Vous n'avez même pas été regarder ce qui est dans ma valise. Ouais. J'avais ma valisette, une petite valise. J'avais mes habits et les habits de mon petit avec qui j'étais même parti. OK. Voilà, on revenait. Et il dit, monsieur, déclinez votre identité. Je lui ai remis mon passeport. Uh-huh. Il a regardé, il a vu médecin, uh-huh. Il a rappelé la liste, il a barré mon nom. Allez, bravo. Il a barré mon nom. Uh-huh. Et puis, ce qui était plus spectaculaire, il y avait un jeune homme qui uh-huh. avait une barre de chaussures. Uh-huh. Et on avait demandé de payer 40 000 francs. Puis, la marchandise ne l'appartenait pas. Il avait voulu qu'on lui remette un reçu. Les douaniers ont dit, niette, si cela est le cas, il va payer 120 000 francs. Et finalement, on est parti laisser le jeune homme là-bas, quoi. Ah oui? Vous voyez? C'est terrifiant, quoi. C'est carrément ça, quoi. C'est ça. Vraiment terrifiant. Et pire, arrivé à l'entrée de CAI, au poste de police de CAI aussi, uh-huh. là-bas, j'avais oublié ma carte dentée, et c'est le passeport que j'avais qui expirait le même jour. Et j'avais ma carte NINA plus ma carte professionnelle de médecin. D'accord. Et là-bas, ils ont voulu me faire payer de l'argent. Et je les ai abandonné la pièce. Le passeport, je les ai dit de prendre la pièce. Si c'est le car, je demande au car de partir. Quelqu'un viendra me prendre ici. Je ne vous donne pas de l'argent. Et finalement, ils se sont regardés. Ils m'ont remis ma pièce. Ah, mais dessine-moi toi là. Vraiment. Ouais. Oh non, ça là-dessus, il faut pas. Parce que quand tu prêtes les flancs, ils profitent, quoi. Tout à fait. Et puis surtout, c'est des manières. Ouais. Voilà, ben c'est les Maliens qui faisaient ça, hein. Mais c'est ce que j'étais, c'est parce que toi tu étais Malien, tu connaissais bien la loi. Oui. Voilà. Non, mais... avec les Sénégalais, j'ai pas eu de problème. Ils sont plus, voilà, ils sont plus un peu plus fins sur ouais. leur truc, quoi. Mais nos gens, ils cherchent pas à comprendre, quoi, parfois. Tout à fait. Ils veulent de l'argent, donc ils. Ouais. Tout le monde paye, quoi. Tout le monde doit payer. Au Burkina, actuellement, c'est pareil aussi. Hein. Tout le monde paye, quoi. Les Maliens, la plupart, bon, moi, ils m'ont pas payé, mais la plupart payent, quoi. Parce qu'ils disent que... Ah, mais bien sûr. Parce que nous, on fait payer leur... Ah ouais, c'est ça, quoi, leurs compatriotes. Oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ah oui. Moi, sur le chemin, moi, ils enlevaient ma carte, les Sénégalais, là. Mm-hmm. Quand on rassemblait les cartes pour faire rentrer, ils fouillaient, ils sont malins, hein. Ouais, tout à fait. Ils fouillent les cartes, ils regardent la profession, on m'appelle premièrement, ils disent, docteur, tu pars où? On me remet ma carte. Ouais, moi aussi c'était pareil. Et les autres, on les fait payer. Hein. On les fait payer. C'est comme ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et... Quelqu'un qui peut appuyer ça, nous organisons souvent des voyages.
Mais les médecins respectés dans toute la sous-région plus qu'au Mali. Plus qu'au Mali, plus qu'au Mali, je vous assure. Ah ouais. Arrivé sur le territoire, il va dire que les médecins ne te contrôlent même pas. Au Burkina, pareil. C'est vrai. Mais au Mali, on dit que tu es professeur. Mais il s'en fiche d'argent. D'argent, c'est bon. Sinon, je vais vous raconter l'histoire de la sage-femme et des douaniers. J'étais étudiant en 2005. Alors, on s'est rendu à un congrès, le congrès de la SAGO au Bénin. OK. Et c'était les cars affrétés par le ministère de la Santé pour les sages-femmes. Et j'étais dans le car là. Donc, au retour, arrivé à notre frontière Burkina, là, nos douaniers maliens ont voulu fouiller les cars systématiquement. Et vous savez, les sages-femmes s'étaient beaucoup approvisionnées à Cotonou. J'imagine. Voilà, c'est clair. Elles ont bien profité, quoi. Bon, ça, c'est clair. Bien profité, hein, parce que, voilà. Donc, et les douaniers étaient vraiment décidés à fouiller, à faire tout descendre et à tout fouiller. La sage-femme a tout fait. Et la sage-femme reconnaissait les douaniers. OK. Et maintenant, finalement, la sage-femme a posé, comment on dit, la carte la plus puissante. Ah ouais, c'est le joker, je pense. Hein. Finalement, il lui a rappelé, il fait accoucher t'es combien d'enfants là? Et c'est en ce moment que les yeux du douanier se sont ouverts et il a abandonné la chose. Ça, c'est le douanier, la sage-femme, c'est vraiment là, on est dans la légitimité. Il a fait accoucher la femme du douanier combien de fois? Ah oui. Et puis, mais au-delà, peut-être que le directeur de la douane allait appeler, hein, parce que les sages-femmes, c'est quand même les femmes les plus puissantes. Quoi. Effectivement, il y a rien mais les gars avaient avoir des problèmes. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Les sages-femmes, ils sont tout ça. Pour la première fois, j'ai... Ah non, ça... Hein? La première fois, j'étais en visite avec le professeur Doron dans les camps. Uh-huh. Il y avait une sage-femme qui avait fait... C'était traité d'une façon, d'une manière bizarre, avant la zone des sages-femmes qui est venue. On a dit, mais comme ça, il faut attaquer ces dames, il faut une nouvelle femme. Il dit doucement, les sages-femmes sont puissantes. Est-ce que vous avez entendu là? C'est le procès de l'autre. Non, procès. Oui? On n'a pas bien compris. Ah, mais lui-même, il a dit ça comme le professeur l'a dit, quoi. Peut-être que ce serait bien. Il a dit qu'il a entendu le professeur pour une fois. Le professeur Dolo avait témoigné que une sage-femme avait dû faire une pratique qui n'était pas très, très commode. Et qu'on l'aurait encouragé de poursuivre cette dame-là. Et que le professeur a dit, non, mais vous savez, les sages-femmes sont très puissantes, quoi. Voilà. Oui. Pour qui connaît le professeur Dolo, vous imaginez, quoi. Il dit, mais c'est pour dire que c'est les dames qui sont puissantes, quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que vous voyez, quand on partait à Cotonou, la dame qui était ministre à l'époque avait refusé de signer lors des missions pour les sages-femmes, parce qu'il y avait plus d'une soixantaine de sages-femmes qui s'y rendaient au congrès. OK. Et elle disait, puisque elle c'était Zénabou à l'époque, je pense. Hein. Okay. Elle disait qu'elle lutte contre la mortalité infantile maternelle et ne peut pas permettre à toutes les sages-femmes de vider les maternités, quoi, pour aller à un congrès. D'accord. Et mon chef me disait, il faut laisser celle-là, elle va signer. Parce que les sages-femmes sont puissantes. Colobo est sage-femme, non? C'était ATT, était au pouvoir. Qu'elle va signer. Effectivement, elle a signé. Elle a signé. Il y a une centaine de sages-femmes qui se sont rendues. Ah oui, elle a signé. C'est clair, non, mais elles sont puissantes. Elles pensent que. Ça s'est passé au calme, au César de Gabon. Quand le MSC a eu un informat avec le sage-femme, elle voulait lui dire quelque chose comme ça, qu'elle voulait changer les services. Quand il y a un homme, elle n'est pas d'accord. Le MSC l'a défait, elle dit qu'on va voir. Et puis... Qui va changer, sinon
c'est lui qui peut partir, quoi. Sinon... Il va partir, c'est clair. Oui. Il nous a dit, c'est ça. Ah, c'est votre message. C'est pas seulement ça, mais. Ah, ok. Au Mali, il y a peu de professions qui sont organisées. Sauf des comme les servants, les pharmaciens. Les médecins aussi, hein? Non, les médecins sont pas organisés. Ah, l'ordre des médecins, c'est. L'ordre des pharmaciens. Des pharmaciens, mmh. Ensuite, l'ordre des avocats. D'accord. Professeur, une des explications est qu'au début, les sages-femmes se sont beaucoup mariées aux grands personnages de l'État, tout. Donc, okay. Il y a ça qui a beaucoup aussi, voilà, okay. Favorisé leur puissance et tout. Parce que, comme vous voyez, même vous, quand votre femme est touchée, on se met debout, quoi. Heureusement que je me suis marié aussi avec une sage femme. Hein? Ah, vous voyez. Donc, professeur, on est dans les bateaux. Quoi. Je suis avec une sage femme, donc du coup, voilà. On est dans les mêmes bateaux. Voilà, tu as compris, quoi. On a bien choisi. Vous voyez. Ah, ouais, c'est ça, parce que là où c'est bien, il faut aller là-bas, c'est mieux, quoi. Comme ça, en cas de petit pépin, voilà, elle va intervenir, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça, Hervé. Donc, merci beaucoup vraiment pour tous ces témoignages qui sont assez édifiants. Hein. C'est ça un peu l'avantage du coup. C'est vraiment de faire un peu intervenir les gens pour pouvoir un peu comprendre comment... Tout ça, ça se passe. Maintenant, moi, du point de vue anthropologique, peut-être que je vais juste montrer un peu comment, en tant qu'anthropologue, on peut analyser un peu ces comportements. Mon professeur a beaucoup écrit hein, sur la profession de l'avocat, Yannick Zafré. Il a beaucoup écrit. Mais au-delà de la profession de l'avocat, il a aussi montré un peu comment... Dans nos maternités, du point de vue anthropologique, la mort la mortalité maternelle s'est construite, quoi. Voilà, c'est quand même très important. Et vous allez vous rendre compte que au-delà au départ historiquement, on a vu, hein, c'est les premiers fonctionnaires médecins maliens, africains qui ont fait les études en France. Très généralement, les femmes étaient des sages-femmes, quoi. Donc c'était y compris les gens comme les gars qui sont Baria Kamia et tout ça, là, ils avaient tous des sages-femmes. Ah oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que ces femmes qui partaient en France, elles faisaient des études pour venir et c'était des dames qui étaient très puissantes. Maintenant, après, vous allez vous rendre compte que même dans les cadres, quand on voit les concours, la plupart des femmes qui ont fait ce truc-là, c'est des femmes d'un certain milieu assez aisées, quoi. Voilà, peut-être que maintenant, de plus en plus, c'est en train d'ouvrir, mais vous allez vous rendre compte que la plupart des sages-femmes sont issues des milieux assez aisés. Voilà. Donc, ce qui fait que pour pouvoir les faire sortir, ce n'est pas facile. Mais aussi, même sur le terrain, souvent quand elles y vont, vous imaginez dans une localité comme les cercles où il y a les médecins-chefs, où il y a le par exemple le commandant, ils vont avoir les yeux sur la sage-femme, quoi. Vous imaginez, c'est quand même les sommités du pouvoir, quoi, qui sont ensemble et elle est la reine toujours, quoi. Voilà, parce que vous savez, c'est les milieux où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et quand elles vont, comme elles sont bien, c'est souvent ceux qui sont un peu en haut qui vont vouloir la draguer. Et vous allez vous imaginer, quoi. Souvent, c'est le juge, c'est le médecin-chef et puis c'est le préfet, quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est la catastrophe, quoi, au niveau du territoire. Mais parce que quand c'est trop, là, vont faire la guerre, vous imaginez, quoi, c'est une femme, c'est très compliqué. C'est une guerre mondiale. Voilà, c'est très compliqué. Ah, c'est une guerre mondiale. Ah oui. Hein? Il y a une femme qui est venue, qui était mariée à un conseil de l'Église. C'était. Cette femme aussi était. Ah voilà. Ah voilà. Ah oui. Ah oui. C'est
C'est les commandants, voilà, c'est ça quoi, c'est les commandants. Le monsieur ah, voilà. Ah, voilà. Ah, mais ça, c'est clair, hein, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'est que quand il y a le bon, souvent, c'est-à-dire que c'est le monsieur chef, vous imaginez quoi. Le monsieur chef, même le commandant, quand sa femme est malade, les messieurs veulent consulter. Donc, souvent, il ne faut pas avoir de problème avec le monsieur chef. Lui, il a les yeux parce qu'elle travaille dans, très généralement, la maternité est là-dedans. Donc, il a beaucoup d'influence, c'est sa zone de prédilection. Le préfet, c'est-à-dire que tout ce qui est cérémoniel, étatique, c'est lui qui est au sommité, voilà, lui, il est là. Le juge également, quoi, vous imaginez, quoi. Et tous les trois, souvent, peuvent avoir les yeux pour cette bonne dame. C'est vraiment très compliqué, quoi. Donc, en fait, comme elle a dit, c'est vraiment, c'est Dieu qui les a donné ce pouvoir, quoi. Elles ont ça. Elles sont puissantes. Quel est le meilleur rêve? Bon, c'est... Quel est le meilleur rêve? Elle est là. Comme là, tout le monde disait Tanti. Ah, Tanti quoi? Ah, d'accord. Même si c'est bien Annie qui dit, Tanti, moi j'ai dit, non, ils sont, ils vont faire ça. Elle a pas un livre quoi? Mais si, elle était déjà. Tu veux ce que tu veux. Ah, tu veux tout ce que tu veux. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment un peu ça. Il a décrit un peu comment ce truc se posait. Donc, finalement, en fait, c'est que tellement que ça les pose des problèmes que souvent, elles n'ont pas envie vraiment de se retrouver dans des cas comme ça. Et souvent, elles-mêmes, elles ont leurs maris qui sont là. Et puis, ça pose énormément de problèmes. Donc, le fait de ne pas pouvoir sortir dans ces zones-là, ça s'explique un peu par tout ça, ce n'est pas très facile pour ces sages-femmes bah, d'aller jusqu'au niveau même cercle. Voilà. Voilà, elles sont beaucoup plus à Bamako et puis elles vont continuer à y être ici. Voilà. Hein? Ah, mais ce n'est pas les maris seulement, mais je crois que vous aussi, ouais, c'est clair. Hein? Oui, bien sûr qu'on a besoin d'elle. C'est-à-dire qu'on voit certaines femmes, certaines cités. Hein? Oui, c'est ça. Peut-être qu'elles peuvent accoucher, mais ça ne pourrait pas aller jusqu'à ce niveau. S'il y avait une sage-femme, je vous parlais. Non, mais tout le monde est conscient de ça. Hein. Au niveau de la direction nationale, ils ont pris des décisions. Après les orientations, les nouveaux recrues, là, de ne pas laisser les femmes ici, mais il n'y a rien à faire, elles sont là. Elles ne bougent pas. Ah oui, il y a une décision claire que comme ça, doivent être en dehors de Bamako. Mais ça n'a jamais été appliqué. Voilà. Mais c'est prochain. Prochain. Oui. Voilà. Hein? Par rapport à ça. Oui. Par rapport à ça, je pense que c'est l'État qui n'est vraiment pas responsable. Et oui. L'État n'est pas responsable, l'État ne peut pas faire l'exigence parce que l'État ne prend pas toute sa responsabilité. Comment voulez-vous qu'on envoie votre femme dans une zone de perdu où il n'y a aucun moyen d'accompagnement? Ça ne peut pas se faire. Donc, il faut que l'État s'y mette. Vous voyez, nous sommes ici à Kaï, ça fait combien de jours ils sont en grève pour des primes des zones. Vous imaginez des sages-femmes qui sont dans une zone comme Kaï. Tout le monde connaît Kaï. Moi, je connais très bien le cercle de Kaï ici. C'est une zone extrêmement difficile. Et le cercle lui-même. Donc, si l'État se permet de ne pas bien traiter les gens, moi, je pense que quelqu'un qui doit quitter son mari, quitter peut-être ses enfants pour aller dans ce genre de zone où tu n'as aucun plan peut-être de carrière ou peut-être le traitement sur le plan n'est pas du tout bon. Là, c'est la défaillance de l'État. Moi, je pense que l'État, si l'État pouvait forcer les gens à aller au paradis, c'est clair et net. C'est clair. Peut-être que l'avantage de choses à créer
Par, il y a déjà une inégalité, mais il y a une, vraiment, en termes de répartition des ressources humaines, ça pose tout le corps, mais pour suivre le corps de recherche, c'est un avantage beaucoup plus difficile, quoi. Voilà, parce que dans le meilleur des cas, elles sont au niveau cercle, quoi. Sinon, au niveau, c'est comme rarement vous rencontrez des sages-femmes au niveau des villages, c'est très rare. Voilà, au mieux, vous avez par exemple une IO, quoi, une petite scène, quoi. Voilà, au mieux, quoi, dans le meilleur des cas. Sinon, c'est des matrons. Voilà, c'est des matrons. Pour les douaniers. Maintenant, une fois qu'on finit ça, vous avez un autre concept qui est également très intéressant dans le cadre des études, c'est ce qu'on appelle le concept de culture professionnelle locale. C'est-à-dire que ce concept, il a été forgé pour un peu comprendre que, vous imaginez, vous avez tous fait des écoles de médecine, vous avez les médecins, ok? On part du principe que voilà, chaque métier donc, a ses compétences techniques, ses normes professionnelles officielles, qu'un système de formation spécifique en termes de cursus professionnel avec une formation initiale, une formation continue a pour mission d'inculquer. On prend par exemple le cas de la médecine. Où tous les étudiants, tous les médecins praticiens au Mali sont passés par l'école de médecine et on vous a tous, encore, vous avez tous appris les mêmes pratiques, quoi. Ok, c'est ça le premier truc. Mais on est d'accord également que chaque métier est pratiqué de fait localement d'une façon un peu différente du modèle officiel, quoi. Tout en incorporant de nombreux éléments de celui-ci, mais mêlés à des habitudes, à des routines, des tours de main, correspondant à un savoir-faire spécifique. On va vous apprendre que la médecine à l'école, vous avez fait votre stage au congé et après votre admission au concours de la fonction publique, on vous envoie par exemple à CAI. À CAI où, dans une localité où peut-être que les gens travaillent beaucoup le matin, mais peut-être qu'ils ne viennent que le soir. Or, vous, votre travail, c'est-à-dire que c'est de 8h à midi. Oui, ou bien 8h, 16h. Mais vous allez vous rendre compte que compte tenu du contexte local, vous n'avez les gens commencent à venir chez vous qu'à partir de 17h, à la descente. Quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer votre façon de travailler, comment vous allez faire? Ça, c'est un. Deuxième cas également, vous pouvez avoir, par exemple, dans la pratique. Il y a le micro qui crash. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un là. Voilà. Donc, en fait, il y a aussi des pratiques, par exemple, ça peut être une pratique qui peut être liée par une seule femme. Hein. Elle va dire, bon, chaque fois que je fais ça, il y a une facilité, par exemple, de faire accoucher une personne. C'est vrai qu'on ne l'a pas appris. Elle n'a pas appris cette façon de faire à l'école, elle est apprise cette façon de faire, va faire que finalement, insérer cette pratique-là, incorporer dans sa façon de faire. Ok? Ça fait des cas comme ça. Ou bien, on peut aussi faire des ajustements liés aussi, c'est-à-dire sur le terrain sur lequel nous sommes, quoi. Au fonctionnement particulier de la structure, comme je l'ai dit tout de suite, ou au système local de gestion, à la hiérarchie, à la nature de la hiérarchie en place, aux relations entre collègues, aux contraintes ou bien au matériel et au financier. Par ailleurs, en chirurgie pédiatrique, les éléments, tout le matériel de l'opération, c'est vraiment pour les adultes qui sont utilisés pour opérer les enfants. Parce que comme il n'y a pas techniquement, comment ce qui constitue les types d'opérations, ils utilisent celles de la gynéco. Donc, ils utilisent les mêmes matériels pour opérer les enfants. Et souvent, dans certaines molécules, vous savez, les médecins,
Et si ça n'existe pas pour les molécules pour les enfants, ils vont diviser ça, c'est-à-dire, voilà, pour correspondre ça un peu à l'âge de l'enfant, quoi, et les données à l'enfant. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut adapter, quoi. Parce que si la molécule n'existe pas pour les enfants, vous êtes dans une bouche, vous avez un truc qui correspond à l'enfant, à un adulte, mais l'enfant souffre de la même maladie, et vous allez casser et puis essayer de voir comment ça peut correspondre à l'enfant. Donc, ce qu'on appelle culture professionnelle locale, là, c'est tout cet ensemble, cette façon que vous avez, c'est-à-dire que d'abord, en ayant toute une culture qui est générale, qui correspond à un groupe, mais qui, du fait, par exemple, des réalités locales, vous avez essayé d'adapter votre pratique, quoi, par rapport au contexte. C'est ça, la culture professionnelle locale. Et ça, c'est très important. Oui. Je vais donner un exemple. Quand j'étais étudiant, j'étais dans une zone très reculée, zone de Kolokani. D'accord. Dans un centre de recherche sur les palus. OK. Et à l'hivernage, il y a beaucoup de neuropaludisme. OK. Et puisque la mission qui venait nous ravitailler chaque fois avait duré. Oui. Et on était vraiment dans un besoin de médicaments. D'accord. Vous savez, j'ai eu à sauver un enfant neuropalu qui entrait presque dans le coma avec un flacon de sérum. Et le flacon, je le conservais dans le frigo et je tirais quelques cc dans lequel pour mettre dans un autre flacon où je mets la quinine. C'est pratiquement dingue, mais c'était ça. Donc, okay. Un peu... Étayer ce que vous venez de dire là. Il faut parfois vraiment gérer les choses dans les contextes où on se trouve, même si parfois c'est en parfois violation des normes officielles. Tout à fait. Et voilà. C'est ça la culture professionnelle locale. Quoi. C'est-à-dire que vous êtes médecin, vous connaissez les protocoles pour soigner un palu, mais quand vous vous trouvez dans une situation très particulière, vous allez adopter une attitude pour sauver les malades. Vous arrivez, en termes anthropologiques, pour pouvoir décrire ça, c'est-à-dire que vous pouvez les contextualiser en termes de culture professionnelle locale. Quoi. C'est très, très important. Il s'agit de ça. Donc, quand vous rencontrez dans la littérature des concepts de ces genres-là, c'est pour un peu vous montrer que, en fait, c'est des gens du corps, mais selon la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, ils ont été amenés à pratiquer leur métier différemment. Quoi. C'est très, très, très important. Voilà. Et tout le monde le fait, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. OK? Donc, la culture professionnelle locale combine trois éléments. Vous avez d'abord les traces directes des normes et compétences officielles qui sont respectives. C'est clair que quand vous êtes médecin, parce que lui, il est médecin, parce qu'il sait que la quinine soigne, il sait qu'également en faisant ça, ça ne tue pas l'enfant. Donc, dans ce que vous avez fait de très local, de très contextuel, là, il y a quand même des traces, c'est-à-dire que des normes et des compétences que vous avez, quoi, qui sont très avérées, qui sont claires. Le deuxième élément, c'est les traces plus indirectes en ce qui ont été adaptées et trafiquées, qu'on pourrait dire un peu détourné. Quoi. Vous imaginez quand même que, en fait, vous-même, vous savez que le protocole normal pour soigner un neuropalu, ce n'est pas ce que vous avez fait. Quoi. Donc, c'est clair que la personne sait ce qu'elle a fait. Peut-être que ça peut avoir un effet positif sur le traitement, mais il est conscient que bon, ce n'est pas le traitement normal qui est fait. Ça, c'est clair. Les traces, donc, indirectes. Et après, le troisième élément, c'est qu'un ensemble de comportements apprécient l'État. Parce que, certainement, comme il soignait le palu, et il savait qu'en faisant, en manipulant ces deux éléments, en mettant ces éléments ensemble, il y a un grand sens peut-être que l'enfant même voilà, ne meurt pas. Voilà. Donc, c'est que la personne a appris ça sur l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'école, hein, mais dans la pratique. Voilà. Autrement dit, des normes informelles produites localement, à la fois d'ordre technique, mais aussi d'ordre relationnel et d'ordre économique, y inclut la corruption. On pourrait y parler, par exemple, de coping strategies, en anglais, qui va être un peu dans le cas de la débrouillardise. Voilà. Quand on n'a pas les moyens, on va faire la conduite de ces moyens. C'est un peu ça. Voilà. Donc, comment,
Donc, le concept de culture professionnelle locale combine ces trois éléments. C'est-à-dire que vous avez des éléments en rapport avec vos compétences, vos domaines de compétences qui sont avérés, qui sont clairs. Dans un deuxième temps, vous avez également une conscience très aiguë que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément en rapport avec les normes officielles, mais aussi, dans un troisième élément, un ensemble de comportements que vous avez appris sur le tas, que vous êtes sûr que, bon, ça, chaque fois que vous avez fait comme ça, ça marchait. Donc, du coup, voilà, vous les reproduisez et très généralement, vous avez vraiment de bons résultats. Et puis, c'est ça. Donc, ça permet de faire fonctionner votre structure ou de vous tirer d'affaires par rapport à certaines situations. Je voulais avoir un exercice. Les traces directes de notre compétence officielle, là. Mais ça veut dire que ça, il est médecin. Par exemple, ce que lui, il a fait, là, est-ce que moi, en tant que sociologue, je pouvais faire ça? Il est médecin. En fait, ce qu'il a fait, c'est que ça relève d'abord de ses compétences médicales. C'est ça, quoi. Si c'est une sage-femme, par rapport à l'accouchement, elle peut apprendre à partir des pratiques qu'elle a acquises sur le terrain, c'est-à-dire des trucs qu'elle peut pratiquer. Mais toujours est-il que si elle n'est pas sage-femme, elle ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui n'est pas sage-femme ne peut pas faire ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est de l'ordre d'abord du métier, quoi. Ça relève du métier. Mais en fait, après, les deux autres là sont un peu détournés, quoi. C'est des trucs que vous avez appris sur le tas. Elle vient fraîchement de la fac, elle vient en stage, il y a une sage-femme, elle essaie d'appliquer un peu le protocole, quoi. Apprend pour faire accoucher, elle prend son cours et puis elle essaie de pratiquer, quoi, comme elle a appris. Et puis là, il y a une sage-femme qui a 20 ans, 30 ans de pratique. Elle va dire, tu vois, pas un peu. Et puis, après, elle va se rendre compte que ça marche, quoi, cette pratique-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est procédural, c'est bien tout ça. Mais quand elle applique ce que la dame lui donne comme conseil, peut-être ça lui permet de gagner beaucoup plus de temps. Et puis, ça va faciliter beaucoup les choses, quoi. Donc, c'est un peu des trucs comme ça. Mais la base, c'est que d'abord, il faut forcément qu'elle soit sage-femme, quoi. Ça, c'est clair. C'est un peu ça. Donc, ce sont ces trois éléments que les concepts de culture professionnelle locale essaient de combiner. Professeur? Oui. Oui. Ça veut dire que ça nous pousse à travailler avec les moyens de bord, quoi. Voilà. Merci. Travailler avec les moyens de bord. C'est ça. C'est-à-dire que comment vous allez adapter votre bord à ce que vous avez, quoi. C'est un peu ça pour avoir des résultats. Voilà. Avec Médecins sans frontières, GICLAF. OK. Mm-hmm. Vous dites souvent de travailler avec les moyens de bord. C'est toujours. Okay. Mais en mettant en avance votre expérience. Mm-hmm. Avec des moyens que vous niveau. Ici, c'est qu'il faut, aussi mettre là où aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré un médecin qui consultait dans le cadre d'un service. Lui, tant qu'il y a les patients, il va consulter jusqu'à la fin de la journée, quoi. C'est-à-dire que voilà, tous les, il n'y a pas de problème, quoi. Et moi, je l'ai demandé, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Vous êtes toujours gay avec les gens. Il dit, mais vous savez, moi, avant de venir à Bamako, j'ai fait la médecine de la campagne. Et là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de temps, quoi. Donc, pour quelqu'un qui a exercé sa médecine à Bamako et quelqu'un qui a pratiqué une médecine de campagne d'abord, vous allez vous rendre compte, même s'ils vont être des professeurs, leur façon de pratiquer la médecine n'est pas pareille, quoi. Donc, c'est la culture professionnel local, c'est-à-dire que c'est un terme qui est en rapport avec ces trucs-là. C'est-à-dire que comment vous allez voir que la pratique des gens qui existent dans le même milieu, mais qui sont carrément différents. Et quand vous les interrogez, vous allez vous rendre compte que c'est qu'ils ont un moment de leur parcours qui a exercé dans une localité très bien précise, voilà, des trucs qu'ils ont appris de faire. Parce que la norme, c'est que quand vous travaillez 8h, 16h, c'est-à-dire que l'infirmière sait que à partir de 8 ou bien à partir de 10 du truc, c'est qu'il ne faut plus prendre de malade, quoi, dans la chirurgie.
Mais lui, non, tant qu'il y a des malades, il les prend tous. Parce que c'est ça la pensée chez Jésus. Voilà. Même si c'est la nuit, il est là. Et après, vous allez vous rendre compte que celui-là, il est voilà. Si vous documentez la part médicale, il faut voir un peu aussi parcours, les trajectoires professionnelles. C'est là que je me compte que ce n'est pas pareil. C'est un peu ça. Donc, la professionnelle, le cas, c'est créé tout de suite parce que même là, c'est arrivé dans une salle de consultation, dans une salle de préparation, les gens peuvent faire beaucoup de ça, c'est vraiment sous place. Mais la culture pour moi, c'est que dans un lieu et d'être dans ce lieu, cette façon de va impacter votre façon de pratiquer votre vraiment inspiré de tous ces cas-là pour pouvoir parler et penser. Donc, il va rester 5 ans, 10 ans là-bas, sortir avec d'autres éléments. Quand ils ne vont pas parler de la même façon. Voilà. Ouais. C'est surtout ça, l'activité professionnelle. Okay. Vous avez un autre compte bureaucratique privatisé. OK? Et ça, les fonctions dont les avantages qui sont liés au poste. Quel que soit le service, sont concernés un certain nombre de manifestes dans la force des fonctionnaires, c'est le rapport à Jésus. Quoi. Donc, c'est les comportements. Ces éléments sont privilégiés. C'est pas visible, il y en a qui sont invisibles. Mais liés, tous ces éléments-là sont liés à ce qu'on appelle les avantages du poste. Quoi. OK? Quand vous voyez un peu, dans la plupart des cas, on est dans le cadre médical, un médecin, quand il est en brousse, c'est-à-dire qu'il veut devenir forcément un médecin-chef, quoi. Parce que, au moins, quand on est médecin-chef, bon, il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de vous, quoi. Voilà, au niveau du CSRF. Et puis, quand il va aspirer à un autre poste beaucoup plus grand, c'est être le directeur régional de la santé. OK? Voilà. Les décisions et vous allez contrôler un certain nombre d'éléments que vous pouvez décider. Au niveau régional, vous pouvez décider qui doit aller là-bas, qui doit être relevé, qui doit passer médecin chef, et ainsi de suite. C'est très important. Au niveau national également, c'est pareil, c'est très important quand vous sortez dans la tribune. Et puis, les médecins qui sont dans le village, ils peuvent vous envoyer des petits cadeaux. Ceux qui sont à Nino peuvent vous envoyer du riz. Ceux qui sont à Gao peuvent vous amener des moutons pendant la fête de Tabaski. Ceux qui sont, voilà, vous imaginez un peu quoi, voilà. Ceux qui sont parents à Yurosu peuvent vous chercher des charbons. Ils vont en mission au niveau de la région, ainsi de suite. Donc, c'est ça le privilège. Un peu la correction. Il ne faut pas seulement servir, mais.
Oui. Je pensais que quelqu'un voulait intervenir. Un peu la corruption. La corruption, quoi. Ah bon, enfin, disons la petite corruption, quoi, ça. La petite corruption. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, ça, c'est des, la culture bureaucratique privatisée. C'est vraiment en lien avec d'abord le privilégisme, quoi. C'est-à-dire que des fonctions qui donnent un certain nombre d'avantages, quoi, à celui qui l'occupe. Voilà. Et l'usager privé est systématiquement invisible au téléphone, la climatisation, il a les véhicules, il a les matériels de bureau, il a tout, quoi. Et souvent même, on peut, dans certains cas, utiliser le même l'ambulance pour autre chose, quoi. Voilà. Donc, c'est ça un peu le truc. Et la symbolique de la distinction entre le vulgaire et l'usager qui est ses avantages doit être et la supprimer. Si le second sans cesse est fermé. Dans ce genre de situation, quand vous allez dans ce, c'est très généralement très. Voilà, en fait, voilà. Il veut être entre quelqu'un qui veut un service de réunion, souvent et quand ils vont en mission, quand ils rentrent, on lui fait les cafés. Quand tu dois rendre visite à un chef, c'est-à-dire un cadeau pour madame, tu as un cadeau pour les enfants. C'est-à-dire, et en tout lieu, tu dois être réaffirmé. Totalement approprié par le fonctionnaire. Oui. Ça? Oui. Est-ce que cette pratique n'est pas plus développée chez nous? Monsieur, je parle de l'Afrique. On est carrément en Afrique de l'Ouest. C'est des études qui ont été carrément menées. Parce que là-bas, ça c'est. Parce que là-bas, ces gens, les trucs, c'est fini déjà. C'est des délits. Voilà. Jamais appelé ton professeur. C'est-à-dire que les professeurs sont appelés par leur prénom. C'est les Yannick, c'est les Jean-Pierre. En fait, vous n'allez jamais vous rendre compte, quoi, que c'est aussi banal que ça. Chez nous, vous imaginez un interne ou encore un doctorant aller appeler son professeur par son prénom. Ah oui, mais pour le professeur, vous prenez par exemple les bureaux du chef, c'est toujours ouvert. Ils sont tout le temps disponibles. Mais seulement, juste, il faut peut-être prendre, puis essayer d'aménager sa journée. Parce que avoir cette hiérarchie de chef ou d'étudiant, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et c'est ici que, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'un professeur, moi j'ai un collègue apparemment qui une fois, il a le goût d'appeler un. Oui, en fait, il a dit que le professeur n'était pas. Après, il a dit, mais normalement, que tu n'es pas là, mais le docteur, mais depuis l'année dernière, il est passé pour ça. Ah, il tient à son titre. Ok, mais pourtant, les appels. Voilà. Mystère. Mystère.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, quand vous allez vous débuter profondément, rien. Rien. Non, c'est extraordinaire. Les professeurs, les prises, ils vont les professeurs. Mais c'est vrai. C'est pas pour rien que quand vous êtes dans les bureaux, on va vous faire attendre du coup. Normalement, et si les minimations plus comme ça, il doit signer votre papier, il ne va pas les signer. Il va dire, mais ne nous dis pas que ton papier. Mais en fait, c'est qu'il a acheté de votre part. Alors, il est ce truc-là. Voilà. Tous ces amendements sont normalement illicites, mais de routiniers qui offrent, bien sûr, dans la santé, comme dans les douaniers ou dans la gendarmerie, ou encore de, qu'on appelle un peu les postes JT, quoi. Voilà. Vous n'avez pas besoin, voilà. Votre titre de docteur, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'être nommé médecin-chef ou d'être nommé directeur régional ou d'être nommé directeur national, quoi. Parce que le médecin, au final, ça n'apporte pas grand-chose quand vous n'avez pas un poste juté. Voilà. Je pense que ce mot-là est créé pour nous, les Maliens. Non, on aime trop ces mots-là. Les postes JT, mais ça existe au Sénégal parce qu'en fait, ça, cette étude, elle avait été réalisée au Sénégal. Hein, oui, mais avec, les comportements même des Maliens. Mm-hmm. Comme vous voyez, imaginez quand vous vous rendez dans nos différents services où les gens logent, par exemple, les directeurs logent dans le service, vous imaginez comment ils abusent de l'électricité, ils abusent de l'eau, ils abusent des. C'est les véhicules du truc qui vont aller déposer ses enfants, tout. Tout. Vous voyez, donc tout ça, ça rentre dans ces JT-là. Tout à fait, c'est bien. Et en plus, il y a beaucoup d'autres avantages autour, et les Maliens aiment entendre ce mot. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, les avantages impressionnent plus les gens que les services qu'il va rendre. Alors qu'on devrait même se jeter. C'est ça. Alors, c'est une question. Voilà. On te met dans un bon travail. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire privilégié pour pouvoir s'accaparer et puis mériter comme on travaille. Et les services pour lesquels lui, il devient ingénieur. Voilà. Et je viens de voir, non. Et hygiène. C'est un peu ça. Vous avez également le clientélisme que j'avais dit. Souvent, c'est beaucoup lié aux techniques, aux compétences des gens qui sont mais, parce que il est de la même éthique que moi, parce que c'est moi, voilà, beaucoup plus de trucs de sur les de la personne. Nommé ministre, si on ne participe pas, donc il y a tout ça. Pardon, c'est que. Privilégier encore les clientélisme, ça amène vraiment l'importance dans tous les services, la productivité faible parce que les gens savent que c'est pas facile. Donc, tant qu'ils vont continuer aux gens qui les ont mis là, ils sont quoi. Donc, c'est pas en compétence qu'ils seront évolués. Un plus nouveau des gens qui sont et les heures de présence officielle ne sont pas ça on le sait très bien vous rendez dans les services les chefs ils ne sont pas ils sont les
Oui. Présent Alpha Condé Guinée, je pense, qui mène des offres dans les ça coûte cher aux terres qui sont sur place. Et on devrait faire ça. Mais il faut ce qu'on appelle un peu les gens réservistes, malgré parce que c'est pas très facile parce que c'est consulté un peu par collègues, l'agent gelé, gens qui forcément respectent la loi. Aujourd'hui, des points. En s'appuyant à l'information, il peut faire sous forme de tâches, de contenu, un peu dans certains, vous voyez, mais quand lui il est bon, souvent,
gère un pédiatre comme ça dans son service, qu'il n'est pas malheureux. C'est compliqué. Donc, clientélisme, c'est qu'il y a un problème et les gens savent qu'ils sont de leurs compétences, ils s'en fichent. Et puis, c'était à la fois accompagné par la présence d'un petit bénévole qui est aussi non statutaire et non rémunéré. Quand je prends un exemple, par exemple, la spécialiste, très généralement, ne viennent pas. Donc, du coup, comme on le dit, comme le disent les Ivoiriens, là, elle est attachée. C'est des gens qui sont des chambres, ils ont peut-être même, s'ils ne sont pas mariés, ils ont quand même des copines, ils doivent sortir les samedis. Où est-ce qu'ils peuvent pouvoir vivre? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des réseaux de soins. Le soin, comment c'est construit, c'est que quand vous, moi je suis c'est agréable toujours au centre de, en fait, par exemple, par docteur, c'est Doumia, et d'abord, il ne va pas faire assez de bureau de santé parce qu'elle a assez conduit. Mais aussi, les infirmières qui sont allemands ont, voilà, elle va dire nanana, donc elle va le confier à l'infirmière qui va appeler que deux, elle va faire rentrer maintenant sur le temps. Et attention, c'est si elle a une connaissance, tu vas donc elle parle, elle appelle, tu vois, ailleurs, voilà. À quelqu'un pour dire il faut prendre, ça veut dire que c'est un truc qui est très opérationnel. Personne ne va prendre la pas l'hôtel Diarra qui va téléphoner. Ah, aujourd'hui, je suis en BCG. Personne ne va vous prendre. C'est des réseaux de suivi. Je fais aussi un petit point. Ça. Celles qui sont là-bas, ça, voilà. Tous les gens qui sont là-bas ont pensé, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait une thèse en pédiatrie, et puis dans le concours, voilà. C'est tout de bénévole dans les. L'année où une décision a cassé tous les bénévoles. Ah, voilà. Donc, mais en fait, ils travaillent et qu'ils ne sont pas rémunérés comme on va les appeler. C'est des bénévoles. Voilà. Ce n'est pas des stagiaires qui vont les appeler. Mais c'est eux qui font le coup. Parce que tous les soins parce qu'on va mépriser les gens, les gens que nous connaissons, on va pas connaître les gens qu'on ne connaît pas, et puis le chef devient entre guillemets Dieu, voilà, on va avoir des sorties personnelles, et puis c'est vraiment pas en termes de conseil très bien. Que moi j'ai écrit ou bien de mes collègues.
asseyez, vous allez émettre un peu. Santé publique, à quoi vous aider, quoi. C'est, vous allez venir dire un peu quels sont les éléments qui peuvent être insuffisants en santé publique ou en quoi. Vous allez essayer de nous présenter ça en groupe ici, quoi. De discuter en groupe sur cette thématique. Bravo. Les groupes de travaux déjà. Oui. Je vais envoyer les textes à Diakité. Il va vous les partager et vous allez les thèmes et on va être utile selon vous. Quel critique on peut. Oui. Il y a une question, bien sûr. Ok. Oui, c'est vrai. On n'a pas dit comment vous allez être évalué. L'année dernière, j'avais donné un travail, je pense, à domicile. Je pense que les gens avaient travaillé par groupe, mais selon les zones, quoi. Ceux qui étaient à CAI, voilà, on travaillait ensemble, ceux qui étaient travaillés ensemble, et ainsi de suite, quoi. Maintenant, je ne sais pas si on peut essayer de faire ça cette semaine. Et je propose un sujet, vous allez essayer de travailler selon les lignes de groupement, là où ceux qui peuvent travailler, et puis ça, après, les diabétiques qui se mettent. Ça vous va.